Hello les gens, c'est RP, bienvenue pour un nouvel épisode de notre série This is Persia sur Open Universe 4, une série dans laquelle on est en guerre contre les Mamelouks, avec l'objectif de leur bouffer l'Egypte. Une partie évidemment on peut pas faire beaucoup plus, mais là on irait chercher énormément d'extensions agressives, ça coûterait très très cher, mais en général ce qu'on fait là est un peu trop cher malheureusement puisque ça ferait venir Najd. L'idée hein, c'est vraiment de pas trigger la coalition. Actuellement, parce qu'on veut pas une coalition dans laquelle il y a les Ottomans. Et les Mamelouks, soyons parfaitement honnêtes, mais les Mamelouks, on aurait une trêve. Donc ça laisserait les Ottomans, Mushashaya, Akkuyunlu, Shamar, Hormuz et Najd. Shamar, on a une trêve jusqu'en 73. Mushashaya, on a une trêve jusqu'en 73. Donc ça laisserait les Ottomans, Akkuyunlu, Hormuz et Najd. Et donc ça fait trop. Donc il faudrait sortir Najd. Ça devrait pas être un problème. Najd va être sorti dans une année, mais ça peut être quand même intéressant de nous assurer que les relations sont correctement améliorées avec Najd. Najd, qui pourrait être un vassal, mais encore une fois, comme on en discutait au dernier épisode, c'est pas parce qu'ils peuvent que c'est intéressant pour nous de le faire. On est en perte financière à ce moment-là. Je pense que c'est... Ouais, voilà, on a énormément de renforts puisqu'on a perdu une bataille. On n'a pas fait du tout gaffe et regardez, hein, c'est extrême ce qu'on a perdu là. Donc il va falloir faire un tout petit peu attention. Retrouvez-vous à Suez. Ah, sérieusement. Bien. On continue avec là. Ce serait bien que tu viennes m'aider. Je sais pas ce qu'ils vont faire. On va voir. Comme ça, comme ça. Est-ce qu'ils viennent ou est-ce qu'ils viennent pas? Ils viennent pas. Revenir de Shamar, Aragon à la guerre des paysans, ok. On peut... Alors, Merv, ouais. Est-ce qu'on a légitimé full Merv? Non, alors on va le faire. Vas-y, tu veux bel édit de religion imposée. Et let's go. Sur Shirvan, ok, très bien, il repart. Il revient prendre cette province-là. Si tu veux. Bateau. Pas grand chose avec nos bateaux. Toujours très très bas en termes de siège ici. Ici tu peux aller là. Ici alors. Toi. On va échapper ceux-là là, s'il te plaît. Et toi, vous récupérez. Vous avez actuellement, on a des vassaux avec nous. Donc ça peut être pas mal. Que récupérer, aller par là, puis commencer à prendre des trucs mamelouks. Qui est-ce qu'on a d'autre dans cette guerre? Funj. Adramaout et Marabre, ça va prendre le temps que ça prend. Hein. C'est extrêmement lent. On le voit, mais c'est pas très très grave. Toi, tu sers pas à grand-chose. Va aider. Ah, ça c'est intéressant ça par contre. Hop, Fars, tu vas venir vers nous. Ça c'est quoi comme... C'est des montagnes. Éviter les montagnes. Alors, on n'a pas de stack wipe. Voilà, stack wipe. Parfait. Oui, parce que t'es là maintenant. On peut aller là. Ici, on va suivre les mecs. On va aller à Shirvan. On va aller les chercher à Shirvan. Perd 10-10 de prestige, mais on a un homme d'état, coûte 50% moins cher. Un homme d'état, c'est ce qu'on a maintenant, c'est pas forcément le meilleur plan, je préférerais avoir une amélioration des relations. Le problème c'est qu'il n'est pas deux fois moins cher, alors que lui il est deux fois moins cher. 36 ans, donc il sera plus utile sur place, parce qu'on en a déjà, qui est deux fois moins cher et qui est très bon, donc de réputation diplomatique, donc allons-y comme ça. Voilà, on va aller chercher cette bataille. Ici, on peut prendre... on peut finir ça. Pourrait être intéressant hein, d'aller chercher ces histoires-là, mais on finissons nos deux là, ça peut être pas mal. Prendre du retard, hein, parce qu'on va
ce qu'on va prendre en termes d'expansion agressive en termes de province, ça va nous coûter très cher en points déployés, en points militaires. On a une politique, alors allons-y. Attrition des troupes ennemies plus 1, croissance globale des garnisons. Ça m'intéresse pas trop, honnêtement, pas du tout. Je préfère avoir celle-là, bien sûr, qui est vraiment très intéressant. Et celle-là, bon, on s'en fout. Donc pour le moment, non, on touche rien à ça. On touchera quand on aura fini. On n'est pas loin d'avoir fini l'autre. On ne fait pas trop de soucis. On a défoncé quelqu'un sans faire vraiment exprès ici. Dramaout, on n'a toujours pas fini. On a les Mamelouks qui nous proposent une paix. C'est pas celle qu'on veut aller chercher. Ici, tac, les bateaux. Gonfler un petit peu les marins parce que vous n'allez plus pouvoir gonfler après. Vu qu'on va vous sacrifier 5 par mois et qu'on en gagne 5 par mois. Ici, tu m'enlèves ça. Maintenant, voilà, on a commencé à bien récupérer. Ça roule. Ah, bien, va de ce côté-là. Et on sortira ensuite, les mecs. Pas de problème. Ici, on roule, on roule sur personne, nous. Et on va gagner cette bataille-là. Elle aura été compliquée, quand même. Beaucoup de pertes. Je sais pas si les pertes sont nôtres ou sont farcies. On va calmer un petit peu les choses pour ce stack aussi. Allez, juste à Recht. Et toi, si jamais tu vas passer par là pour aller chercher les gars là. Ici, c'est qui notre général? C'est Adel Shah. Adel Shah. Tac. Tu vas venir là. Parfait, parfait, parfait. On va bientôt arriver ici. Nickel. Sur Mara. On peut revenir de nage, c'est pas un souci. Et on va sortir Hadramaout pour des warep et de l'argent. Bien. Oula. Ça se passe pas très très bien en Éthiopie, soyons parfaitement honnêtes. Ok, là on peut commencer à se lâcher un petit peu. Voilà. Ici aussi, cela dit, à mon avis. Fais un peu plus gaffe ici, parce que déjà, notre stack est moins gros. Et en plus de ça, c'est quand même le cœur un peu de l'Empire Mamelouk. Donc on pourrait facilement se retrouver exactement avec des stacks à gauche à droite qui vont nous gonfler. Et c'est bien ça. Et il y a même 6000 de Funj. Ce qui pas en soi... ouais. Non, c'est bon, il passe ailleurs. Ce qui est en soi pas ingérable, bien sûr, mais qui... par rapport à nos demi-stacks, quarts de stack qu'on a créé ici, peut poser quelques problèmes. Finissons tout ça. Voilà, c'est fait. Très bien. Comme ça, on n'en parle plus. Il va falloir attendre un petit peu, parce que du coup, on n'a plus de points de mine non plus. Donc, on ne pourra plus légitimer nos provinces. C'est un peu embêtant. Maintenant, ce qu'on veut faire, c'est prendre toi, morale terrestre. Paf, nice. Bonne politique. On a une politique... Ok. Tech 14, donc on a... faut prendre deux techs avant de pouvoir avoir un nouveau groupe de doctrine. Ça va prendre un moment, donc on peut prendre ça, ne serait-ce que pour enlever cette icône. Non, mais je pense... vraiment, ça m'intéresse pas, ouais, je vais pas du tout utiliser ça, jamais. Donc je vais pas le mettre. Non, tant pis, on garde ça pour le moment, c'est pas très, très important. C'est juste, c'est un peu du spam, mais c'est moins pire que le spam des alliances. On peut démontrer notre supériorité sur Toto. Ah oui, bah oui, parce qu'on a on vient d'obtenir des Ouzvult, en gros. C'est juste. Ce qui est intéressant, cela dit. Oups, cela. Alors, a priori, on va aller du côté du légalisme. Yes. Ok, on se regroupe ici, ici, parce que Funj revient vers le sud. Bien, des revendications fabriquées par X ou Y, je ne sais pas. Et de nouveau, hein, ils sont plus Black Flag, enfin, ils ont fini leur retraite chez nous. C'est quand même bizarre. Ok. On ira s'occuper des Mamelouks après, on va déjà revenir ici pour s'occuper de tout ça. De nouveau, les Mamelouks sont ici pour une raison que je ne comprends pas. Siège de Dofar. Ok, très bien, on va pouvoir sortir du coup Mara.
Tu m'as pas Black Flag. Bon, ok. Si tu veux. À voir, il n'y a pas tellement de bateaux mamelouks dans la région. Du coup, j'ai envie de dire, on doit pouvoir maintenant prendre nos bateaux et protéger le commerce à Bassora. Ok. Bien. Bon, on est à 99% de sort de guerre. On peut finir cette guerre. On a des rebelles hormusiens. Ok, d'accord. Alors. Si on finit la guerre, on se retrouve alors en gros négatif en termes de points diplo, c'est-à-dire à moins 100. Et en termes de points de mine. Waouh. Waouh. Personne à sortir dans cette région. Non. Hein. Je vais pas donner ça à la Syrie, c'est sûr. Je veux garder ça pour moi. Mais ça coûte vraiment un bras et demi. Hein. Il va falloir attendre des plombes à rien faire avant que qu'on puisse vraiment, vraiment profiter de ces conquêtes. Et il faut, cela dit, dans... Bon, on a un moment. Hein. J'ai envie de dire, dans une situation comme ça, il faudra presque attendre la fin de la trêve contre Mushashaya et puis juste attaquer Mushashaya. On pourrait voir pour lancer l'annexion de Fars dès que possible. Et puis, ouais, avoir beaucoup de peine en points admin. On est focalisé en admin, cela dit, donc on fait des points. Toujours du renfort qui coûte cher, donc c'est pas un souci, c'est pas systémique en tout cas. On peut toujours pas prendre ça, mais de toute façon, actuellement, à moins de ouais, ce qu'on pourrait faire, c'est vrai, c'est prendre la tech militaire, pourquoi pas. Il suffira de prendre un emprunt, fondamentalement. On va juste, quand même, développer un peu militairement, je pense que ça peut être intéressant. Voyons voir où est-ce qu'on en est, typiquement, sur l'institution, justement. C'est vraiment ces provinces par là. Alors, ici... Ouais, pas dégueu. Allez, développe un peu ça. Voilà, 808. Tu peux développer... Bon, celle-là, je pense que c'est trop tard, c'est trop long. Ici, on peut développer un poil. Voilà, et puis, comme ça, on a 652 points, on n'a pas de souci. On peut attendre de prendre cette tech pour faire ça. En dehors de ça, il faut gentiment qu'on y aille, il n'y a pas tellement le choix. Donc... On a réussi notre objectif de sortir Nage, c'était pas très très compliqué, cela dit. On a les Mamelouks à qui on aura une trêve jusqu'en 81. Cool. Mushashaya avec qui on a une trêve jusqu'en 73. Donc les deux sont virés. Et on a également Shamar avec qui on a une trêve jusqu'en 73. Ce qui pose un petit souci, ça veut dire que dès le moment où on aura déclaré la guerre contre Mushashaya, Ottomans, Hak, Shamar et Hormuz pourront entrer dans une coale, voudront entrer dans une coale, devraient entrer dans une coale contre nous. Ce qui veut dire qu'à ce moment-là, il faudra soit déjà avoir déclaré la guerre à Hormuz. On peut très bien envisager de déclarer la guerre à Hormuz juste pour chérir, pour avoir une trêve. Ah non, ils sont alliés aux Ottomans, donc ce serait une monstrueuse guerre. Autre possibilité, on déclare la guerre aux Ottomans. Le problème, c'est que ils ont beaucoup de grosses alliances. Ça me paraît peu. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que Toto a... Bon, ils ont pas énormément de morale. Ils sont énormément de discipline. Par contre, c'est extrême. Ok. Ils ont peu de réserves militaires. Ils ont plein de troupes. What? J'ai mis ce clic quelque part, ou bien? Ah, c'est les canons, ils ont plein de canons. Avec la Tech 13. Ça veut dire que leurs canons, ils sont utiles. Si ça avait été Tech 12, ils auraient eu plein de trucs qui servent qu'à faire du siège derrière, en gros. Tech 13, c'est plus le cas.
Mais on pourrait envisager peut-être de déclarer la guerre aux Ottomans, plutôt que d'attendre qu'il y ait une coale qui se forme. Parce qu'il faut reconnaître que, bon, on a perdu pas mal de réserves militaires, ce qui est un peu embêtant. On peut en récupérer si on décide de cliquer sur quelques boutons. Eux, ils en sont où de ce côté-là? C'est-à-dire que leurs réserves militaires sont très très bas, ils ont des mercenaires, ok. Ils ont un professionnalisme d'armée de 29, donc ils peuvent cliquer pas mal de fois aussi pour récupérer des réserves militaires. Ça peut être une guerre très très longue et complexe contre les Ottomans. Il faudra la faire un moment ou un autre. Actuellement, on a un moral qui est bien bien plus important que le leur, mais on n'a pas leur revenu financier. C'est-à-dire que nous, on ne peut pas se permettre de faire nos 138 troupes. Pourrait être intéressant quand même d'envisager, puisqu'on a la frontline bien bien pesée, hein. Si on prend lui par exemple, on est à 30. Donc la frontline de 27, même si elle augmente, je sais pas, non. Hein, mais la frontline de 27, même si c'est à 28, on est ok de ce côté-là. Ce qu'il faudrait faire maintenant pour nous, c'est des canons. Hein, 3 canons de plus dans chaque demi-stack serait intéressant. Ça fait 18 canons. C'est franchement faisable, je pense. Et on se retrouverait mieux pour se battre contre les Ottomans. C'est sûr. Après, là, il y aurait. Si on le fait vite, on a l'avantage de faire quand même. D'éviter de faire venir Sindh. Et d'éviter de faire venir Ak Koyunlu. Ak Koyunlu surtout parce qu'il serait au même endroit. Sindh, à la limite, on pourrait les sortir vite. En attendant que les Ottomans nous prennent des provinces ici, ce qui pourrait même jouer en notre faveur, parce qu'on a quand même des jolis forts, pas ici, mais là on est bien, là on est dans le Caucase, on est dans les montagnes, on a des forts de montagne à gauche, à droite, on pourrait tout à fait prendre des jolies batailles contre les Ottomans dans cette région, donc commencer par sortir Sindh pourrait même avoir un intérêt de ce côté-là, presque un intérêt stratégique. En l'occurrence, on aurait Shamar qui vient avec eux, mais... Et Hormuz, on pourrait faire ça, c'est-à-dire qu'on pourrait sortir Hormuz très vite. Hein, j'imagine que leur capitale est Hormuz, qui est un peu relou. Mais par contre, on pourrait ne serait-ce qu'aller prendre Mascate. Et avec Mascate, du coup, se retrouver dans une situation tout à fait bonne. Ça, quand même. pour la suite. Et puis laisser, comme je disais, les Ottomans aller prendre quelques provinces là pour faire ça. Ouais, on a des trucs intéressants ici. Donc ce serait... Pourquoi pas intéressant. Mais bon, on verra ça. On va quand même prendre de toute façon jusqu'en 73. Je pense qu'on va rester tranquille. Je pense. On en discutera. Mais je pense. Pour le moment, on va simplement prendre toutes ces provinces-là. Ce qu'on peut aussi faire, cela dit, c'est prendre du pognon, même, donc, plutôt que toutes ces provinces et toute cette expansion agressive de ouf. Il faudra les prendre à un moment, ces grosses provinces. Hein, c'est pas ça qui va me donner beaucoup d'argent. Quand même, hein, 240. Je pense qu'on a meilleur temps de prendre 240 à ce moment-là de la partie que Marsa Matru. Hein. Le reste, par contre, cet état, l'état ici... Ce qu'on pourrait éventuellement faire, c'est donner l'état du Delta. Il est hyper, hyper balèze, hein, mais on pourrait le donner quand même à la Syrie. Puis nous, prendre que le reste, ce qui limiterait un petit peu les dépenses en points de mine qu'on ferait, même assez clairement. Parce que là, on prendrait déjà le Caire pour nous, hein, ce qui est énorme. On doit, hein, pour This is Persia, on doit avoir nous-mêmes les provinces. C'est pas un vassal qui peut les avoir. On peut pas les laisser à notre vassal, plutôt. Ouais. Donc, de toute façon, on va bouffer la Syrie. Hein, on va juste attendre de bouffer les Ottomans pour ça. Allons-y comme ça. Raison de plus. De donner Rosette. Et Alexandrie. À la Syrie. Et nous, on... Non, je peux pas légitimer. Bon, je peux légitimer le Sinaï, donc. Pourquoi je peux pas légitimer Suez? Parce que j'ai pas les points, je pense, c'est tout. On est d'accord. C'est juste le Caire et Bouaïra que je pourrais pas légitimer. Ouais, les trois provinces de l'État. D'accord, donc dès le moment où j'aurai légitimé Sinaï et Suez, ça roulera. On a actuellement... ça. Je peux pas faire grand-chose, je vais pas attendre. Let's go, Sinaï, pour commencer. Financièrement... Moins 14 à cause de la corruption liée à la surexpansion. Ça se défend.
Ok. Bon, pour le moment, regroupons-nous avec vous ici. Je pense qu'on aura besoin de vous. Avec vous, là. Vous allez aller ici. Vous allez aller là. Vous allez continuer votre travail ici. On peut convertir. Alors, le Caire, c'est trop cher. Mais on peut certainement convertir les autres. Garbia et Bouqueira. Bouqueira, on peut. Garbia, ça va peut-être coûter un peu cher. Mais Bouqueira, je pense que c'est une bonne idée. Parce que de toute façon, il faudra légitimer Suez. Puis après, il faudra légitimer le Caire. Puis après, on pourra légitimer Bouqueira. Donc oui, je pense que ça vaut la peine de légitimer Bouqueira maintenant. On a Rachid. On peut faire ça. Ça va nous coûter un peu. Il faudrait qu'on fasse un petit peu attention. Mais c'est pas grave. Pour le reste, on peut toujours pas légitimer. Pour le moment, des rebelles, on a des séparatistes hormusiens. On est dans la région avec nos troupes, donc je me fais pas trop de soucis. On a nos bateaux qui font leur taf. Ok. On a des purges de l'hérésie contre tous ces gens. C'est super, c'est une excellente nouvelle. On perd 24 par mois, ça c'est vraiment pas une excellente nouvelle par contre. Faut qu'on réduise un petit peu les coûts. Je pense que notamment lui, on va plutôt mettre... on va mettre personne pour le moment. Parce qu'on n'a pas trop besoin des points militaires. Et c'est 9 qu'on regagne. Ce qui est plutôt une bonne chose. Ça, on va pas l'adopter maintenant du coup. Parce que c'est juste... mon avis nous forcer à prendre un emprunt. Pour pas grand chose d'intéressant. On la prend maintenant si les Ottomans nous déclarent la guerre par exemple. Et qu'on a absolument besoin de la tech diplo. De la tech militaire, pardon. Ok, let's go. On va aller là parce que... Non, on va aller tout de suite là. Let's go. What? Ok, bon, ça, il devrait pouvoir le gérer même. J'aimerais juste comprendre ce qui est en train de se passer, là. Bon, c'est pas très grave s'ils réussissent, mais je peux... Pourquoi je peux rien faire? Pourquoi je peux rien faire? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Bon, ils sont, c'est des stacks de 8, donc ils devraient pouvoir s'en sortir seuls. Mais c'est bizarre. C'est vraiment pas pratique, parce que j'aimerais bien pouvoir les manger maintenant. Bon, cela dit, on verra tout ça, les gens, au prochain épisode, hein, puisque celui-ci est arrivé à son terme. Je vous remercie de m'avoir suivi, et je vous dis à la prochaine. Bye bye.